Hello les filles et garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans une vidéo de Box Beauté. On va découvrir ensemble la blissime du mois de décembre. C'est parti! Alors, ce mois-ci, j'ai reçu ma box dans le petit carton comme ceci, comme d'habitude. Donc blissime, c'est un abonnement beauté. Vous recevez chez vous tous les mois une box avec 5 produits format miniature, que ce soit pour le corps, les cheveux, du make-up, le visage, pour un prix de 13,90€. C'est assez intéressant au niveau de l'abonnement mensuel. Et donc, on va découvrir ensemble ce que nous a réservé Blissime pour ce mois de décembre. Alors, j'ai commencé à ouvrir et j'ai vu qu'il n'y avait pas de boîte comme d'habitude, en tout cas pour ma part. Donc ça se présente, vous voyez, j'ouvre directement le carton, comme ceci, et j'ai une petite pochette Blissime, donc, et je vois tout de suite un accessoire aussi qui est un genre de petit porte-monnaie. Donc on va découvrir ça ensemble. Bienvenue à l'adresse de toutes les beautés. Oui, ça c'est le petit slogan Blissime du mois. Alors je suis assez surprise de trouver les produits sous ce format là. Je trouve le petit livret du mois de décembre, donc aux couleurs du thème de l'avant aussi. On va juste lire ensemble l'édito. Pour démarrer, plongez au cœur d'un Noël plus extraordinaire que jamais. Le mot d'ordre, après minuit, place à la magie. Vous êtes invité à la plus folle des nuits de Noël, tenue satinée, pochette de soirée, paillettes et plumes de paon exigées. On vous promet un mois encore plus fantastique qu'à l'accoutumée, qu'on compte bien célébrer en beauté cette année. Après tout, on a quelques années de fêtes à rattraper, non ? Croyez-nous, la nuit de Noël est loin de se terminer. Bon, voilà, donc on est sur le thème de nuit de Noël, Christmas Night. Je vais tout de suite démarrer par le produit qu'on avait au choix. On avait le choix entre deux highlighters Fenty Beauty, donc la marque de Rihanna. Et je crois aussi qu'il y avait un soin ou une crème de la marque La Rosée, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, moi j'ai choisi un highlighter. Donc vous voyez, il y avait ces deux teintes-là. Donc là, pour le coup, c'est un produit make-up full size, donc c'est super. Et je pense que c'est ce qui est là-dedans. Ce petit porte-monnaie... Il n'est pas à mon goût, je vais vous le dire tout de suite. C'est pas un truc que je vais utiliser pour moi. Alors, il n'est pas moche, hein. C'est une genre de petite fourrure blanche beige. Mais vraiment, bon, c'est pas très très qualitatif. Hein. C'est doré, mais bon. Voilà, j'ai peur en plus que ça la peluche comme ça, ça va être très très salissant si vous le transportez dans votre sac à main. Moi, je pense que je vais peut-être le laisser pour les enfants, pour ranger leurs petits jouets, leurs petits Lego, leurs petits personnages. Ça peut servir, mais voilà. Donc, bon. Après, ça peut être pratique. Alors, voilà pour l'highlighter. Donc déjà, votre box est largement rentabilisée avec ce produit qui a une valeur, je crois, de plus de 30€, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez le packaging. Donc moi, j'ai choisi la teinte Metal Moon, qui est la teinte la plus claire. L'autre, c'était vraiment une teinte or doré. Et donc, je voulais quelque chose d'un petit peu plus... L'autre, c'est Trophy Wife, si je veux bien vous montrer. Ça, c'est Trophy Wife et ça, c'est Metal Moon. Et bien, écoutez, on va le swatcher ensemble. Texture, crème, poudre qui fond instantanément sur la peau et s'estompe sans effort. Utilisez-le aussi bien sur le visage, le décolleté. Cet highlighter est né pour refléter toutes vos humeurs grâce à ses teintes lumineuses. Alors, je vous remontre. Il est gros, hein. Franchement... Vous voyez, par rapport à la taille de ma main, pour un highlighter, c'est énorme. Et donc, c'est marqué derrière, en gros, Metal Moon. Donc, c'est bien ça. Le packaging est joli. C'est un blanc, alors en caméra, je ne sais pas, mais c'est nacré. Et alors, ça s'ouvre comme ceci. Vous avez un petit miroir pour vous regarder. Et vous avez donc là l'highlighter gravé avec le B et le F, je crois, de Fenty Beauty. Donc, moi, c'est le Metal Moon blanc qui va... je vais essayer de vous le swatcher. Alors, c'est la première fois que je teste un highlighter Fenty blanc. Alors c'est très... c'est assez curieux. C'est vraiment satiné, c'est pas du tout brillant ou pailleté. Je sais pas si vous allez voir sur ma main, je l'ai mis ici. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est assez mat en fin de compte pour un highlighter. Je suis un petit peu surprise de cette teinte. Mais après ça fait quand même des jolis reflets. Alors, en caméra, si vous allez voir quand même que ça brille légèrement. Je ne sais pas trop comment je vais l'utiliser. Mais oui, comme un highlighter, je pense que vraiment, on peut le mettre. D'ailleurs, je n'en ai pas mis ce matin. Je vais le mettre tout doucement au doigt ici pour voir ce que ça fait. J'ai pas envie que ça fasse, vous voyez, une trace blanche. Mais ça donne juste un léger glow. Bon, ça a l'air quand même assez subtil.
Mais bon, écoutez, c'est plutôt un joli produit dans une box qui coûte 13,90€. Là, on est quand même content pour les fêtes, c'est un beau cadeau. Je dis bien joué, Blissime. Je vous mets mon lien de parrainage aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Là, c'est une box à laquelle je suis abonnée depuis presque 10 ans. Ça s'appelait Ma Jolie Box, moi, quand j'ai démarré mon abonnement. Donc, autant vous dire que ça a été Ma Jolie Box, Birchbox, Blissime. Voilà, je suis fidèle. Bon, en tout cas, super produit number one. Je passe au numéro 2. Alors, je reçois et c'est un produit Garantia. Vous savez que je suis assez contente parce que j'aime bien cette marque. Et ce produit-là, les larmes, alors c'est une miniature, mais je pense qu'il y a de quoi faire. C'est les larmes de fantôme, le roll-on anti-cerne anti-poche. En plus, bon, moi, je suis quand même tendance à avoir des cernes. Donc, ça se présente comme ceci, avec une petite bille au bout. Vous avez un 3 ml, bon c'est pas beaucoup. Paupières et yeux, anti-rides, anti-relâchement, hydratant, anti-poche, anti-cerne. Donc je vérifie parce que souvent avec les roll-on, mais là la bille, vous voyez, elle bouge, donc vous avez vraiment le produit qui s'écoule très très bien. C'est une couleur un petit peu blanchâtre. Ça sent l'odeur Garantia quand même. Et ça pénètre assez vite. Ça sent un peu les plantes. Donc je vais vous dire ce qu'ils disent de ce petit produit qui normalement au prix vente pour les non-abonnés est à 40€ en grand format. Le grand format fait 10 ml. Ça veut dire qu'on a quasiment un tiers du grand format, c'est plutôt pas mal. À 95% d'origine naturelle, il réduit les poches, les cernes, les rides, comme par enchantement, et stimule la microcirculation. Son efficacité instantanée fait gagner à votre regard jusqu'à 4 heures de sommeil. Ça, c'est pas mal. Grâce à sa composition clean, vegan et made in France, vos yeux s'illuminent jusqu'à 87% dès la première utilisation. Coup de cœur, fonctionne parfaitement, je rachèterai. Hydratation des yeux, regard illuminé et plus lisse. Merci Garantia. Je vous montre le format vente. Normalement, ça c'est sous ce format-là. Et là, j'ai reçu cette miniature. Donc, je suis ravie également de mon second produit. Et alors, après, les autres produits se trouvent là-dedans. Je vois ça. Qu'est-ce que c'est? Un exfoliant poudre corps de la marque Baija. Ça s'appelle Tropic Shot. Donc c'est sous forme d'un sachet, c'est café, noix de coco et huile de ricin, 100% d'origine naturelle, ça fait 20 grammes, alors je sais pas trop comment ça s'utilise. Alors de cette poudre de gommage 100% d'origine naturelle jaillit la vitalité d'une nature exubérante généreuse, de cet assemblage inédit de café torréfié, de pulpe de coque de noix de coco et d'huile de ricin naît une expérience sensorielle unique, dévoilant une peau incroyablement douce. Alors ce shot à usage unique s'applique une fois par semaine sur peau humide en massage circulaire, rincé soigneusement. Ah oui, donc dans votre douche, vous êtes mouillé, vous prenez votre poudre et vous frottez directement sur le corps, je comprends ça comme ça. Attention à ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes. Et pas plus de deux fois par semaine. Bah écoutez, c'est pas mal. Je suis pas hyper fan de ce genre de produit, de format comme ça, mais je testerai quand même parce que l'odeur a l'air plutôt sympa. Alors ça coûte normalement 6€ pour les non abonnés. Pas donné quand même pour une utilisation. Et donc j'attrape un produit, alors là je ne connais pas la marque, c'est Earth Arbour et ça s'appelle Marina. Donc c'est se présente dans cette petite boîte là, cartonné blanc. Alors là ça sera une découverte. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Une ampoule Mariana Biome Brightening Ampoule. Bah dis donc, ça me fait penser aux produits de K-Beauty que j'utilise assez régulièrement. C'est cruelty free. Écoutez, c'est très très joli. C'est une ampoule comme ça en verre avec une pipette couleur bleutée. Et vous avez cette petite étiquette dessus. C'est très très joli. Donc ça contient de la spiruline et du blue tansy. Alors, ampoule lumineuse Marina Biome doit son nom aux plantes précieuses bleu océan qui la composent. Donc la spiruline et la tanière. Zi bleu. Ce qu'elle fait, super performante, elle optimise le microbiome de la peau, illumine et équilibre le teint pour une mine uniformisée et éclatante. Ces huiles adaptogènes hautement concentrées se chargent d'améliorer l'apparence et la santé de la peau. On aime son arôme doux et végétal et sa texture douce et émolliante. Donc ça coûte 23€ si vous n'êtes pas abonné à Blissime. Sinon vous avez vos 15%, c'est 30 ml. Il faut 2 gouttes sur votre peau après votre nettoyage vous permettront une efficacité concentrée. Associez-les matin et soir au traitement Earth Arbour pour un usage quotidien. Bah, écoutez, là c'est une découverte, c'est une marque que je ne connais pas, c'est un produit que je n'ai jamais vu. Juste envie de regarder un petit peu, c'est très, très fluide, très liquide. Mais effectivement on sent qu'il y a des huiles dedans. Ça sent plutôt bon, c'est très, très hydratant.
Bah écoutez, ça m'a l'air vraiment sympathique ce joli produit. Donc nous arrivons 1, 2, 3, 4. Nous arrivons au dernier produit de la box. C'est un produit cheveux de la marque Speciology. C'est un petit format d'un après-shampoing. Bah, c'est une marque pareille que j'ai jamais testée. Donc c'est l'après-shampoing sublimateur aux protéines naturelles de kératine, huile d'argan, hydrate, répare et lisse. Donc le grand format fait normalement 500 ml. Donc c'est très gros, pour 29 euros. Moi j'ai une petite miniature de 33 ml, mais ça me suffit bien pour tester, vu tout ce que j'ai d'autre à tester. Donc sur cheveux préalablement lavés, appliquez une noisette de produit sur vos longueurs humides, laissez poser 1 à 2 minutes, puis rincez abondamment. Donc ça me plaît parce qu'il ne faut pas laisser poser longtemps. Rien qu'à travers l'opercule, ça sent vraiment le bon produit capillaire. Ça m'a l'air d'être une bonne marque. En tout cas, ça sent bon. Ça va redonner douceur, éclat et souplesse à votre chevelure. Il gagne les longueurs et lisse les frisottis pour un résultat impeccable. Il protège aussi les cheveux de la chaleur et des agressions extérieures. À vous la chevelure brillante, soyeuse et facile à coiffer. Laissez poser quelques minutes, puis rincez. Sa formule composée de protéines de kératine et d'huile d'argan rend les cheveux lisses, souples et réduit leur fragilité. Vous ne trouverez ni sulfate, ni parabène, ni silicone, ni huile minérale dans votre soin. Eh bien, ça c'est chouette. Donc, pas mal, pas mal. Nous en avons terminé pour la découverte de cette box. Alors je vous remonte les produits: l'highlighter Fenty Beauty, l'après-shampoing de la marque Speciology, l'ampoule Marina à la spiruline, le gommage en poudre de la marque Baija, et le dernier, oui pas des moindres, c'est le petit roll-on larme de fantôme pour les yeux de Garancia. Bon, je suis contente, je suis quand même très satisfaite de la box. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Ce que je préfère le moins, je vais vous dire, c'est l'exfoliant en poudre, mais quoique, bon. C'est vraiment le goodies du mois. Je trouve que pour Noël, ils auraient pu faire un goodies. Alors, je sais pas, ouais, c'est pour remplacer la box cartonnée qu'ils ont fait ça. Ils auraient pu faire un truc un peu plus sympathique, un petit bijou, je sais pas. Voilà, dites-moi vous ce que vous avez reçu, si vous avez reçu la même chose que moi ou pas. Si vous avez une composition différente, ça m'intéresse de savoir. Si vous avez eu mieux ou moins bien. Et puis voilà les filles et les garçons, j'espère que la présentation de cette box blissime du mois de décembre vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.